Bonsoir et rebonsoir à tous. Juste quelques mots d'introduction, je serai très rapide. Merci d'être présent avec nous ce soir pour cette conférence originale qui s'inscrit dans le cadre de la programmation que nous avons pu développer ici au musée autour de l'exposition Magique présentée depuis le mois d'avril de cette année jusqu'au mois de mars 2023, le 5 mars 2023. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Julien Bondaz, anthropologue, maître de conférences en anthropologie au laboratoire d'anthropologie des enjeux contemporains, le LADEC de l'Université Lumière Lon 2, et chercheur associé au Centre Alexandre Coyéré, ainsi que Rémi David, écrivain magicien, et tous deux sont également commissaires scientifiques de cette exposition. Et ils nous font le plaisir d'être présents ce soir pour nous proposer une conférence spectacle, un format, je vous disais, un petit peu original, qui va être à mi-chemin entre le spectacle de magie et la conférence. Et donc, je vous avais dit que je serais rapide, pas plus pour moi. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, bonne conférence, et merci encore d'être présents ce soir. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors les pouvoirs occultes et les pouvoirs politiques sont étroitement liés dans de nombreuses sociétés à travers l'histoire et à travers le monde. Tout au long du XIXe siècle, marqué, comme vous le savez, par la conquête coloniale, les colons et les missionnaires ont découvert des pratiques magico-rituelles, jusqu'alors inconnues ou méconnues, tandis que les peuples colonisés se retrouvaient confrontés à une violence inédite contre laquelle la magie paraissait peu efficace. Il faut dire qu'à la même époque, dans les sociétés européennes et nord-américaines, la magie migrait au XIXe siècle dans les salons, dans les théâtres. La prestidigitation jouait avec les codes de la magie tout en s'affirmant spectaculaire et elle devenait ainsi magie de spectacle, illusionnisme. À la même époque, elle devenait également objet de connaissance, puisque les premiers anthropologues états-uniens, britanniques et puis ensuite français élaboraient des théories de la magie dans laquelle ils pensaient pouvoir trouver l'origine des religions. Et donc à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, au moment où se construisent ces théories anthropologiques de la magie, on assiste à un mouvement de démystification plus large, puisque dans les sociétés occidentales, de nombreux savants, mais aussi des prestidigitateurs, s'efforcent de dévoiler les trucages des médiums et des autres praticiens de l'occultisme. Les prestidigitateurs, qui gardent habituellement leurs astuces secrètes, présentaient alors, à cette époque, la divulgation des trucs et astuces des médiums et autres occultistes comme un devoir moral. Il s'agissait pour eux de dénoncer les supercheries ou les arnaques de ceux qu'ils présentaient alors comme des charlatans. Ils font office de désillusionnistes, pour reprendre le mot d'un certain professeur Rex, qui avait écrit un ouvrage en 1944, « Hypnotiseur et mystificateur ». Et ce professeur Rex considérait la divulgation des secrets des faux médiums comme une œuvre saine et moralisatrice. La même mission s'observait à cette époque dans les sociétés colonisées. Les explorateurs, les colons, les missionnaires, parfois même les ethnologues, s'efforçaient de percer et de révéler les secrets des magiciens. Et le mot servait alors de terme générique pour désigner les spécialistes magico-rituels dans les sociétés extra-occidentales. Nombre de ces colons, missionnaires, parfois ethnologues, utilisaient cependant certains tours de magie ou certains objets inconnus des populations avec lesquelles ils sont en contact pour asseoir leur autorité et leur pouvoir. Ces magiciens blancs, entre guillemets, racontaient la façon dont ils dupaient les populations locales avec malice. Et souvent, ils racontaient ça avec une certaine condescendance, voire un certain racisme, mais aussi avec une certaine naïveté. En se donnant à voir comme des mystificateurs, suffisamment habiles pour que des pouvoirs occultes leur soient attribués, ils mettaient ainsi en scène une supposée crédulité des populations extra-occidentales. La mission civilisatrice qui justifiait la colonisation conduisait ainsi à faire de la magie un double usage. L'objectif était d'une part de démystifier les pratiques magiques locales et de se présenter comme des magiciens en mystifiant les populations colonisées.
les usages, les imaginaires de la magie, les confrontations souvent violentes entre différentes conceptions du pouvoir et de la magie, ont ainsi servi à produire des représentations réciproques hein, de l'altérité. Et donc au cours du XIXe siècle et du début du XXe siècle, on assiste à trois phénomènes historiques conjoints. D'une part, le développement des théories anthropologiques de la magie, qui tendaient à construire une grande opposition et souvent une hiérarchie entre ce qu'on appelait à l'époque les sociétés civilisées, d'une part, et les sociétés primitives, d'autre part. Deuxièmement, la spectacularisation de la magie hein, dans les sociétés européennes et nord-américaines autour de la figure du prestidigitateur professionnel, laquelle s'accompagnait souvent, comme on va le voir, d'une mise en scène exotique de la magie. Et puis, troisième phénomène, l'expansion coloniale, marquée non seulement par des formes de violence et d'exploitation, mais aussi par le recours à la ruse, à l'artifice, ce que révèlent parfaitement les usages ambivalents de la prestidigitation en situation coloniale. Et donc ces trois phénomènes hein, témoignent des usages politiques de la magie dans ce contexte colonial. Pour rendre compte ce soir de cette histoire croisée entre colonialisme, ethnologie, prestidigitation, histoire éminemment politique, nous allons donc présenter une réflexion à deux voix. La réflexion qui portera sur trois aspects en particulier. Rémi va d'abord présenter les inspirations exotiques des prestidigitateurs occidentaux au XIXe siècle, au début du XXe siècle, ce qui va revenir à montrer l'influence du colonialisme sur le développement de la magie spectacle. Je tâcherai ensuite de rendre compte du recours massif à la prestidigitation en situation coloniale, avant d'interroger le statut particulier de la magie dite orientale, et notamment du fakirisme. Et puis Rémi présentera enfin deux figures importantes de cette histoire entremêlée, celle du grand prestidigitateur Robert Houdin, missionné en Algérie, et celle du Toulousain Marius Cazeneuve, qui fut diplomate et prestidigitateur à Madagascar. Dans tous les cas, pour nous, il s'agit de voir comment la prestidigitation a pu servir à produire des imaginaires de l'altérité, qui s'inscrivait dans des rapports de domination qu'il importe de replacer dans le contexte du colonialisme. Et donc les témoignages de l'époque, les textes que nous allons citer, sur lesquels nous nous basons, sont également datés, et certains d'entre eux sont particulièrement dépréciatifs, paternalistes, souvent racistes. On va en citer quelques-uns pour éclairer notre propos, mais bien sûr, nous ne reprenons évidemment pas à notre compte le vocabulaire utilisé, ni les opinions de ces auteurs anciens que nous citons. Merci beaucoup, Julien. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Et effectivement, je vais, dans un premier temps, évoquer l'influence de la colonisation sur l'imaginaire et sur l'univers de la magie de spectacle. On va évoquer ces différentes affiches, notamment dans un instant. Mais j'aimerais commencer peut-être la soirée par un tour de magie, justement, et je vais avoir besoin d'un volontaire ou d'une volontaire, tout en sachant qu'à ce moment où on ne se connaît pas encore, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui se désigne pour avoir le courage de monter sur scène. Mais si je vois une main grand levée, ça mérite un tonnerre d'applaudissements pour la faire venir. Merci beaucoup. Et je crois qu'on va avoir besoin d'un micro qui doit être en régie pour l'instant. Alors, les marches sont juste ici, vous pouvez nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui se porte volontaire d'emblée. Donc, je suis Rémi, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre prénom ? Lucie. Lucie, d'accord. Alors, Lucie, on a un micro qui arrive tout de suite, qui est allumé et que vous pouvez utiliser. Comme je vous disais, Lucie, on va parler dans un instant de ces affiches de l'univers magique du XIXe siècle qui sont marquées par l'imaginaire colonial. Mais j'ai amené d'autres affiches. Je vais vous demander pour des histoires de régie, peut-être de vous placer juste à côté de la table là. Voilà, parfait. Si vous voyez bien, ça va. Et j'ai amené avec moi, du coup, des enveloppes. Et dans ces enveloppes, alors je pense qu'on va avoir un retour écran tout de suite pour les spectateurs qui sont dans la salle, pour pouvoir voir, voilà exactement, les enveloppes dont je parlais. Sur ces enveloppes, Lucie, j'ai reproduit en format carte postale des affiches de spectacles typiques de cette époque, du 19e, fin 19e, début 20e. Donc là, c'est un grand magicien américain, par exemple, qui s'appelle Kellar, qui est un des premiers à avoir fait de la lévitation, d'où ces rayons laser, en quelque sorte, qu'il a au bout des doigts. Donc je ne sais pas s'il avait réellement
ces rayons laser ou si la publicité est un peu mensongère, mais en tous les cas, Harry Kellar, un magicien américain très important dans l'histoire de la magie. J'en ai reproduit plusieurs. Ça, c'est Harry Houdini, que vous connaissez peut-être, qui est un magicien américain qu'on associe souvent d'emblée au mot magie parce qu'il a réalisé des numéros d'évasion qui sont restés célèbres, très spectaculaires. Houdini se faisait ligoter dans une camisole de forge, jeté dans un lac, enfermé dans un cercueil, menotté. Et il arrivait à se délivrer en permanence de ses liens. Harry Houdini, un autre magicien important. Un autre encore, c'est Alexander. Alexander, c'est un des premiers, des tout premiers mentalistes. Man, tout ce qui a trait un tout dernier, c'est Von Arx. Alors, ce n'est pas le nom d'un groupe de hard metal, c'est le nom d'un magicien. Là, on n'a pas l'univers colonial, mais on a tout l'univers méphistophélique, diabolique qui apparaît dans cette carte, qui est un autre univers très souvent travaillé par les magiciens du 19e. Alors, je vais vous confier ces enveloppes, si vous le voulez bien. Je vais vous demander, vous pouvez poser le micro. Je vais vous demander de... Oui, il est allumé, c'est bon. De les mélanger. Et je vais me munir ensuite d'un paquet de cartes. Vous allez les mélanger, vous allez en choisir une et une seule, celle que vous voulez, Lucie. Celle-ci, parfait. On va pouvoir la poser là. Hop. Et on va se débarrasser des autres que je pose derrière moi. Lucie, je vais également vous demander de choisir une carte, si vous voulez bien. Je vais mélanger le jeu, vous me dites stop quand vous voulez, et vous allez choisir, on va montrer la carte sur laquelle vous avez dit stop. D'accord ? C'est parti, quand vous voulez, vous me dites stop sur celle-là. Ok, je vous laisse en prendre connaissance. On peut même la montrer au spectateur. On va la mettre ici, si vous voulez bien, sur le tapis. Oui, je peux la voir. Je peux la voir. C'est le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle que vous avez choisi. Alors, il y a le 4 de trèfle. Vous avez fait, en fait, dans ce court laps de temps, deux choix. Vous avez pris deux décisions. Vous avez choisi une carte qui est le 4 de trèfle et vous avez choisi aussi une enveloppe. Et l'enveloppe, c'est Alexander, dont je parlais justement à l'instant, le premier de ces mentalistes. Alexander et le 4 de trèfle. Alors, l'idée, c'est d'essayer, pour ma part, de reproduire un tour à la façon de ce mentaliste, à la façon d'Alexander. Et je ne sais pas, je ne vous en ai pas parlé, je crois, j'avais mis une petite enveloppe sur la table, une enveloppe rouge depuis le début du tour. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans cette enveloppe. Je me permets de l'ouvrir. Et il y a une affiche, en fait, qui est reproduite au format poster, qui n'est pas n'importe quelle affiche, puisque c'est l'affiche, pardon, je me mets pour la caméra, je me place au mieux, qui est l'affiche d'un magicien qui s'appelle Alexander. Mais ce que j'ignore en revanche, c'est comment est-ce que Alexander a pu faire sur son affiche pour prévoir votre propre choix et reproduire le 4 de trèfle que vous venez de choisir à l'instant même. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Vous pouvez regagner votre place. Merci infiniment. Voilà pour une petite mise en bouche. Alors, vous voyez à l'écran plusieurs images qui datent de cette période coloniale. Et le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est à quel point la colonisation a influé sur l'esthétique et l'imaginaire des spectacles de magie. Alors, on le voit par exemple avec cette affiche de Carter, magicien américain de Great Carter, en tenue de colon, avec un sphinx égyptien derrière lui, avec un dromadaire, avec un homme du désert habillé en costume traditionnel. On le voit avec ces trois choix que j'ai pris parmi un nombre incalculable d'affiches, de Great Raymond également, qui proposait un numéro célèbre qui s'appelait l'Arche de Noé, où il présentait une petite boîte qui se remplissait d'animaux, d'où les lions, le jaguar, le tigre, le crocodile, même s'il a un peu exagéré les choses, puisque dans son numéro, il faisait plutôt apparaître des canards, des chèvres ou des poules. En tous les cas, il faisait apparaître des animaux, même s'il ne s'agissait pas de ces animaux qu'on voit sur l'affiche. Et un autre magicien important, c'est Dixon, dans le théâtre Robert Houdin, qui propose un numéro qui est le médium du désert.
Donc vraiment, la colonisation, c'est le premier point que je voulais aborder, influe sur l'imaginaire et sur l'esthétique des spectacles de magie qui sont proposés en France et en Europe. Mais la colonisation influe également sur le répertoire magique à proprement parler. Il y a notamment un tour qui était mythique, qui est le tour de la corde hindoue, que la plupart des magiciens ont essayé de voir en Inde. Ils se sont rendus, en tous les cas, en Inde pour tenter de le voir. Grosso modo, il se déroule comme suit. Un jeune homme monte sur une corde qui est tendue. Elle est tendue si haut qu'il atteint les nuages et il disparaît. Et on retrouve ensuite ce jeune garçon, alors il y a plusieurs versions, soit en train de manger une mangue sous un manguier, soit enfermé dans le ventre d'un lion qu'il faut éventrer pour le retrouver, soit il apparaît tout simplement au milieu du public. Donc il y a une grande part de mythe dans ce tour, mais c'est un tour en tous les cas qui a fasciné beaucoup, beaucoup de magiciens de l'époque, qu'ils ont reproduit à leur façon sur les scènes occidentales. Donc là, on voit Thurston, dont je vous parlais à l'instant dans le premier tour de magie, qui reproduit ce tour de la corde hindoue dans ses spectacles et qui en fait le numéro phare de ses spectacles en le mettant sur l'affiche. Il y a Blackstone également, qui était le principal concurrent de Thurston et qui est peut-être le dernier nom de cette période d'or de la magie américaine, qui lui aussi propose ce tour de la corde hindoue. Carl Hertz, de la même manière, essaye de reproduire ce tour. On voit les fakirs indiens sur l'affiche et ce jeune garçon avec le nuage en arrière-plan dont je vous parlais à l'instant. C'est un premier tour de magie où l'Inde vient insuffler un souffle sur la création occidentale. Un autre, c'est un tour qui est toujours proposé aujourd'hui, c'est le tour qu'on appelle le tour de la malle des Indes. Alors la malle des Indes, à l'origine, c'est la malle postale qui permettait d'envoyer le courrier entre Londres et Bombay. Et à partir de cette malle, les magiciens ont créé un tour donc, qui est devenu un classique. À partir de cette malle, le dispositif, c'est grosso modo le suivant. On a quelqu'un dans la malle et quelqu'un sur la malle. Et en un rien de temps, le temps de passer un rideau au-dessus d'eux, l'un et l'autre s'inversent. Celui qui était sur la malle se retrouve à l'intérieur et celui qui était dessous se retrouve dessus, avec parfois une complexification. Des fois, ils ont un costume et ils inversent même les costumes de l'un et de l'autre en un clin d'œil avec cette levée et cette tombée de rideau. Donc la colonisation influe aussi sur le répertoire des magiciens et le répertoire des spectacles de magie. La colonisation, elle a un impact sur les lieux mêmes où se déroulent les spectacles de magie. Je pense notamment à ce lieu phare de la magie au XIXe siècle qui s'appelle l'Egyptian Hall, qui est à Londres, à Piccadilly, qui a été construit en 1812. Et qui est vraiment, à la fin du XIXe siècle, le lieu emblématique de la magie où tous les plus grands noms de la prestidigitation vont pour se produire. Donc vous voyez cette architecture inspirée de l'Égypte. On voit les sphinx, notamment, sur le haut, au-dessus de l'affiche. On voit les colonnades qui reprennent l'aspect ionique des temples égyptiens. On voit sur l'affiche de droite les éléphants, pour cet orientalisme qui est présent également. Et j'ai mis notamment entre ces deux représentations l'affiche de Buatier de Colta, qui est un magicien lyonnais très célèbre, très fameux, qui se produisait partout et notamment à l'Egyptian Hall, d'où cette affiche qu'on voit apparaître ici même. Donc la colonisation influe l'imaginaire des affiches, influe le répertoire proposé par les magiciens et influence également les lieux où sont proposés les spectacles de magie. On va même au-delà, puisque la colonisation va influencer jusqu'à l'identité des magiciens qui proposent leur tour. Je pense notamment à Theo Bamberg, qui était un représentant d'une grande lignée de magiciens hollandais. Theo Bamberg, à 18 ans, est devenu sourd et ne pouvait plus produire les mêmes tours que ceux qu'il proposait jusqu'alors. À partir de ce moment, il change complètement de présentation et il se présente sous le nom d'Okito, comme on peut le voir sous la slide suivante. Okito, qui est une anagramme de Tokyo. Et il brille justement sous ce nom d'Okito sur toutes les scènes. Alors, à l'époque où il commence à se produire sous ce nom,
Il est difficile de trouver des costumes et des vêtements japonais. On s'arrange assez facilement avec cet Orient complètement inventé. Et cet Okito japonais se transforme, avec le même Théo Bamberg, en Okito chinois, finalement, puisqu'il est plus simple de trouver des costumes chinois. Donc le même Okito est finalement présenté comme un magicien chinois dans cette vision largement caricaturale de l'Orient et de l'Asie. Okito n'est pas un cas isolé, loin de là. Son fils, puisqu'il s'agit vraiment d'une lignée de magiciens hollandais, comme je vous le disais, David Bamberg, va continuer cette idée, va poursuivre ce parti pris et va se présenter au public sous le nom de Fu Manchu. Fu Manchu, qui aura un énorme succès lui aussi, et qui est un personnage emprunté à un personnage de Sax Rohmer dans un de ses livres. Et c'est au-delà de la Hollande, c'est vraiment un effet de mode en cette fin 19e, début du 20e. Je peux prendre par exemple l'exemple du magicien espagnol Juan Fons Jordana, qui va se produire sous le nom de Li Shang, le cas du magicien français, Édouard-Georges Cassel, qui lui se présente sous les habits de Li Qingxi, et on pourrait multiplier les exemples à foison. Il y a cela dit un cas particulier sur lequel j'aimerais m'arrêter un court instant, c'est celui du magicien Chung Ling Su, un magicien chinois qui a brillé vraiment à cette époque. On admirait en particulier son talent, la beauté de ses gestes qui étaient très lents, le travail des décors orientaux, et la presse vraiment s'émerveillait devant le talent de ce magicien chinois, qui ne parlait pas du tout sur scène, qui venait saluer avec celle qui était présentée comme son épouse et son fils, également au trait asiatique, qui était en réalité le fils d'un régisseur, puisque Chung Ling Su était en réalité un Écossais qui avait grandi aux États-Unis et qui s'appelait William Campbell, avec de grosses moustaches qu'il avait rasées, une chevelure qu'il avait rasée également pour faire apparaître une large partie de son crâne et ne garder qu'une tresse nouée derrière lui. Et ce magicien, que tout le public pensait être un authentique magicien chinois, était en réalité un magicien écossais, comme je vous le disais à l'instant. Ce qui est intéressant, puisque au-delà de l'aspect clairement marketing, même si le terme n'existait pas à l'époque, il s'agit d'attirer le public en surfant, en voguant sur cet intérêt pour l'Orient, cette vague orientaliste. C'est finalement la vie même du magicien qui devient son principal tour de magie, et c'est dans sa vie qu'il met peut-être son plus grand talent pour dissimuler son identité et poursuivre sous ce nom, sous ce faux nom. Alors, la mode est telle que Harry Houdini, dont je parlais à l'instant, pour citer ses célèbres numéros d'évasion, dans une lettre datée du 8 janvier 1905, Harry Houdini constate que la magie chinoise devient populaire en Angleterre et tous les rois du genre sont réunis à Londres en ce moment. À l'Alhambra, nous trouvons Pipapu, à l'Empire, Ching Ling Fu, à l'Hippodrome, Chung Ling Su, au Belfort, Ching Ling Flu, et Goldin commence au palace sous le nom de Goldin. C'est vraiment un mouvement très général, un mouvement de masse, que cette influence de l'Orient, du fait de la colonisation, sur l'imaginaire de la magie. Et avant de te laisser la parole, Julien, puisqu'on parle d'Harry Houdini, je vais peut-être conclure ce moment par un autre tour au sujet d'Houdini, où j'aimerais avoir un ou une autre volontaire qui me rejoindrait sur scène, s'il vous plaît. On a eu la chance d'avoir Lucie qui a levé la main immédiatement, qui la lève encore, je crois. Ah non, à moins que ça ne soit pas elle. Non, pardon, c'est un rang derrière, je ne vois pas très bien la salle. Eh bien, formidable, je voyais une main dans la même zone qui se levait. Je me disais, ça doit être Lucie à nouveau, mais pas du tout. Ça mérite, je crois, vraiment des applaudissements. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile de... Hop. Ni d'avoir le courage de venir, ni d'affronter les escaliers. Merci beaucoup. Comment vous vous appelez ? Eléa. Eléa.
Enchanté, et vraiment merci beaucoup d'avoir pris votre courage à deux mains. Je disais juste avant de terminer, je voulais vous raconter une petite anecdote sur Harry Houdini, donc qui était connu pour ses numéros célèbres d'évasion. Il se trouve que Houdini n'a jamais eu d'enfant avec son épouse, qui s'appelait Bess, et il a noué en revanche une relation très particulière avec sa nièce, avec la fille de son frère. Et cette nièce, il y a une sorte de curiosité, elle n'avait pas de nom. Ou en tel cas, elle n'avait pas officiellement de nom, puisqu'au moment de la déclaration en mairie, les parents n'avaient pas respecté les délais, et du coup, elle n'a pas pu avoir officiellement un nom qui lui était donné. Et c'est quelque chose qui chagrinait terriblement Houdini, qui a voulu organiser une cérémonie pour la baptiser et pour lui offrir, en quelque sorte, un nom. Alors, il a organisé cette cérémonie, mais il voulait, il est magicien évidemment, qu'il y ait une sorte de lien caché, une sorte de lien secret entre lui et sa nièce, qu'il aimait tant. Et comme il s'intéressait en particulier au nombre, il est parti de la date de naissance de ses parents. Il a pris la date de naissance de ses parents, il a fait un petit calcul, il a pris les deux derniers chiffres, il les a soustraits aux deux premiers, et il a choisi le nom de sa nièce dans ce livre, où j'ai une reproduction ici même, que l'on va voir à l'écran dans un instant, je pense. C'est le livre des noms les plus populaires du moment, le livre des noms américains féminins les plus populaires du moment. Alors, dans ce livre, on a tous les prénoms à la mode à l'époque. On a Anne, on a Elisabeth, on a Victoria, Edith, Rose, Elsie, Violette, Ida, par exemple, Bertha, Emma. Et ce que je vous propose, c'est de renouveler un peu cette expérience. Un petit détail aussi que j'ai oublié de vous livrer, c'est qu'au moment de la cérémonie du baptême, Houdini a fait un cadeau à sa nièce. Il lui a offert un pendentif avec une photo de lui. Et si vous voulez bien, pendant toute la durée du tour, je vais vous confier ce pendentif. Je garde à la main. Si vous voulez bien, oui. Merci beaucoup. Et on va essayer de faire la même expérience du coup que celle d'Houdini. Il a donc pris la date de naissance de ses parents. On va faire l'exemple, enfin, on va partir de la date de naissance d'un de vos deux parents, si vous le voulez bien. Si c'est trop compliqué, on peut prendre la vôtre également, si c'est plus pratique de la connaître. Alors, on va faire ça. Est-ce que vous voulez bien nous donner votre date de naissance ? Le 17 juin 1990. Ce qui vous fait aujourd'hui l'âge de 32 ans. Alors, il a pris les deux derniers chiffres. Donc, on va partir du 32 et il les a additionnés. Donc, 3 plus 2, 5. Et ce 5, il l'avait donc soustrait de l'âge initial. Le 32. 32 moins 5. 27. 32, 25, 27. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. OK. 32 moins 5, 27. Il a ensuite saisi ce livre dont je vous parlais. Est-ce que vous pouvez regarder à la page 27 le prénom qui serait celui de votre nièce si vous aviez à le choisir aujourd'hui même. Marie. Marie, je vais juste le montrer à l'écran. Marie serait le prénom du coup que vous auriez choisi si votre nièce n'avait pas eu de prénom officiel à la mairie et si vous étiez partie de votre date de naissance. Est-ce que vous m'autorisez à récupérer le pendentif que je vous ai confié depuis tout à l'heure ? Oui. Ouais, merci beaucoup. On va juste, si vous le voulez bien, ouvrir ensemble le pendentif qu'Harry Houdini avait confié à sa nièce. Parce qu'à l'intérieur du pendentif, il y a une photo. Il y a une photo et il y a un prénom. Marie. Merci beaucoup. Merci. Alors, au même moment, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, alors que sur les scènes de théâtre et dans les salons bourgeois des sociétés européennes et nord-américaines, la prestidigitation rencontre un goût certain pour l'exotisme, comme on vient de le voir, les sociétés extra-occidentales sont donc valorisées selon les modes du moment. Mais ce grand succès de l'orientalisme, comme d'ailleurs dans d'autres domaines, contraste fortement
avec ce qui se passe dans les sociétés extra-occidentales où les missions d'exploration puis les entreprises de colonisation rendent compte de rapports de domination, de formes de violence physique, symbolique également. Et dans ce contexte colonial, la prestidigitation n'est plus un art du divertissement ou de l'illusion, c'est davantage une arme, un outil de propagande au service de la pacification des populations colonisées. C'est parfois même une arme, on va le voir, hein, au service de l'évangélisation dans les bagages des missionnaires. Il y a souvent des tours de magie. Autrement dit, un bon explorateur à cette époque ne doit pas seulement être un bon militaire, il doit aussi avoir des compétences de prestidigitateur. Hein. C'est par exemple ce que recommandait l'écrivain et journaliste Charles Chassé. Il est recommandé aux explorateurs de se renseigner sur la prestidigitation avant d'entrer en contact avec des tribus d'humeur instable. Mais avant ce recours à la prestidigitation, ce sont d'abord les objets des explorateurs, jusqu'alors inconnus sur place, qui sont présentés comme des objets magiques susceptibles de surprendre les populations locales et donc de conférer un certain prestige, un certain pouvoir à leurs possesseurs. Les premiers contacts sont alors présentés par les explorateurs, par les colons, dans leurs écrits, comme des moments de démonstration de force où la nouveauté de tel ou tel objet attire, mais aussi effraye les populations locales. L'anthropologue Johannes Fabien a d'ailleurs bien montré comment la manipulation de ces objets s'inscrivait dans une volonté d'impressionner les populations colonisées et contribuait à transformer en spectacle ces rencontres coloniales. Parmi les objets les plus utilisés figurent notamment les miroirs, mais aussi toutes sortes d'instruments de vision, jusqu'à la photographie et au cinéma. Alors sur les miroirs, il y a tout un jeu de miroirs qui conduit même à l'intégration dans les objets magico-rituels des populations, l'intégration de morceaux de miroirs, de petits miroirs, etc. Un cas très connu est le cas des Nkisi-Kondi en Afrique centrale, au Congo et en Angola. Des statuettes auxquelles on accorde un certain pouvoir et qui sont très souvent doté d'un petit miroir sur le ventre, derrière lequel une cavité abrite une charge magique. Je vous en présente deux exemplaires, dont l'un des deux est d'ailleurs exposé dans l'exposition magique. Mais la photographie plus tard, puis le cinéma encore plus tard, sont aussi présentés très souvent comme des instruments qui sont proches de la sorcellerie. C'est une idée qui est d'ailleurs largement défendue par l'ethnologue et cinéaste Jean Rouch, qui tissait une analogie entre le preneur d'images et le mangeur d'âmes, hein, le sorcier mangeur d'âmes. Il se présentait lui-même comme une sorte de sorcier. Alors ces objets, ces instruments de vision sont d'autant plus intéressants qu'ils concernent l'image des populations locales et donc soulèvent la question de la manière dont les personnes se représentent leur propre identité, les composants de leur propre personne, hein, de telle sorte que des liens entre l'image, le reflet, le double se retrouvent réinterprétés en termes de magie et de sorcellerie. Mais au-delà de ces miroirs, de ces photographies, de ces images filmées, de nombreux autres objets ont été utilisés, hein, des machines électriques, mais plus anciennement encore, des gramophones, plus tard des tourne-disques. Le colonel Montaigne, par exemple, qui a exploré l'Afrique de l'Ouest à la fin du XIXe siècle, utilisait une boîte à musique, ce qui lui a valu d'être qualifié de prestidigitateur par la presse de l'époque. Je cite un journaliste qui s'appelle René Moreau. Et en 1895, le colonel Montaigne a été quelquefois obligé de se montrer même prestidigitateur. C'est qu'en certaines circonstances, il est plus diplomatique de recourir à l'ébahissement, à la surprise, à la convoitise d'une boîte à musique offerte en cadeau qu'au coup de fusil et aux menaces. À chaque fois, donc, ces récits d'émerveillement reposent sur la mise en scène de la supposée supériorité des Blancs, des colons, et ces objets ont très certainement contribué à les faire apparaître comme des êtres qui sortaient de l'ordinaire. Ce dont témoigne par exemple le goût des populations locales pour les objets des explorateurs, des colons, et notamment le goût développé par les chefs locaux dans des stratégies d'appropriation du prestige des Blancs.
Mais au-delà de ce caractère un peu extraordinaire des objets, de la nouveauté de ces objets, ces objets sont également révélateurs de rapports de force. On voit bien comment, loin de remplacer l'usage des armes, ils ajoutent une sorte de pittoresque bon enfant au récit d'exploration et de conquête qui tourne parfois au gag, à l'humour très condescendant, qui contribue à en tenir un certain primitivisme. Dans certains cas, d'autres rapports d'ailleurs de domination sont également exprimés, hein, des rapports de genre, hein, qui ont trait aux représentations des différences entre le masculin et le féminin. Hein. C'est le cas par exemple à Mopti, au Soudan français, hein, le Mali actuel, du président de la Société de géographie de Genève, René Gouzy, qui ajoutait au stéréotype des Africains crédules ceux attachés aux conceptions normatives et dépréciatives de la féminité de l'époque. Plus hardies ou plus curieuses, en vraie fille d'Ève, les négresses considéraient avec étonnement mes jumelles. D'aucune, prenant leur courage à deux mains, les palpaient. Je leur enseignais la manière de s'en servir. C'était alors des exclamations gutturales, etc., etc. L'objet magique faisait le tour de la société et les commentaires allaient leur train. Ils devaient être drôles à ouïr les rires qui fusaient. Donc on voit bien la violence de la description, l'exagération aussi, et puis sans doute la mésinterprétation d'un certain nombre de comportements qui visent à déprécier les populations locales, et là, en l'occurrence, les femmes sur place. Au-delà des objets, d'ailleurs, tout comportement inhabituel de la part des explorateurs ou des colons est susceptible d'être interprété comme une action magique, donc potentiellement dangereuse. C'est du moins ce que rapportaient les explorateurs et les colons, y compris certains chercheurs, savants, naturalistes, etc. Des témoignages anciens le montrent là encore, comme cet extrait tiré du journal d'exploration de Jean-Baptiste Douville en Afrique centrale. Ils montrèrent beaucoup d'étonnement de me voir chercher des herbes, fouiller la terre, disséquer des animaux, couper et serrer avec soin des morceaux de bois, dessiner des plantes et d'autres objets. Ils ne pouvaient s'imaginer à quoi cela me servirait, car dans leur opinion, les Blancs n'ont d'autre occupation que celle de faire la traite des esclaves notamment. Et comment parmi eux les magiciens, les sorciers, les devins cueillent des plantes, ils me crurent un magicien blanc. C'est encore cette figure du magicien blanc qu'il faut utiliser avec des guillemets. C'est tout l'imaginaire en fait des explorateurs et des colons qui se traduit par cette expression. Cette idée leur fit craindre que je ne jetasse quelque sort sur eux. Cependant, soit par crainte, soit par respect, ils ne me firent aucun mal. Je passe sur le fait que là encore, il y a sans doute de la mésinterprétation. Dans la plupart des cas, comme dans le cas précédent, ils ne maîtrisent absolument pas les langues qui sont parlées et interprètent en leur faveur les réactions des populations, tout en grossissant les traits, etc. Bref, la sorcellerie des Blancs, explorateurs ou colons, elle ne se limite pas seulement à l'utilisation de tels objets curieux ou à l'interprétation supposée de ces comportements, puisque nombre de colons et d'explorateurs utilisent également de véritables tours de prestidigitation à des fins diplomatiques ou pour exercer leur autorité. Certains d'entre eux se forment même à la magie avant de partir en mission. C'est du moins un témoignage d'un prestidigitateur qui s'appelle Albert, en 1924, dans un ouvrage intitulé « 30 années d'un art mystérieux ». Ce magicien Albert expliquait avoir appris le tour de l'eau transformée en vin à un explorateur qui, de retour de mission, lui aurait témoigné de la grande utilité, de la grande efficacité de ce tour. Le cas de Pierre Savornian de Brazza, explorateur de l'Afrique centrale à la fin du XIXe siècle, est particulièrement intéressant dans cette logique. Je cite Savornian de Brazza, « Le lendemain, il s'agit de tout mettre en œuvre pour achever la conquête de mes sauvages aux dents aiguës. » Il y a bien sûr des guillemets, c'est une citation, là encore. « Je donne de véritables séances de prestidigitation et de pyrotechnie. Secousses électriques, fusées, feux éclatants de magnésium obtiennent un succès inconditionné car chacun y voit la manifestation de notre force supérieure. Je montre les effets de la halle explosive. Les spectateurs de la balle explosive, je me suis bien sûr trompé. Les spectateurs sont persuadés que je puis, avec mon fusil à répétition, tirer autant de coups que je le désire. Je réussis en somme à donner une haute idée de la puissance des Blancs et à m'assurer l'amitié de mon entourage. » Et donc l'utilisation de la prestidigitation par Savornian de Brazza a contribué à faire de lui une figure de l'explorateur non violent dans la presse de l'époque,
notamment dans un contexte où la France était en concurrence avec la Grande-Bretagne en Afrique centrale. Le fait qu'il soit présenté comme prestidigitateur montrait qu'il était capable de nouer des relations avec la population de façon pacifique, hein, ce qui est en partie exagéré, mais il a cette réputation encore aujourd'hui. Savornian de Brazza était présenté comme rusé, hein, comme pacifique, hein, à l'opposé de Stanley, son adversaire du moment, l'explorateur britannique, présenté lui comme violent et incapable de ne pas avoir recours à la force. Et à la mort de Savornian de Brazza, en 1905, un journaliste résumait ainsi: Savornian de Brazza fit la conquête du Congo, non pas à coups de fusil, mais avec de vraies séances de prestidigitation, de pyrotechnie et de feux de Bengale. À la même époque encore, mais en Afrique centrale, c'est l'explorateur écossais Joseph Thomson qui utilisait un tour de prestidigitation encore plus sommaire, puisqu'il profitait d'être affublé de deux incisives artificielles pour les faire disparaître et réapparaître, menaçant de faire la même chose avec le nez et les oreilles de ses interlocuteurs. Donc la menace était grande. Le même procédé, et a priori, il faudrait pousser encore les recherches. Ah oui, ça, c'est une illustration de ce pseudo-tour de magie d'apparition-disparition des dents. Mais le même tour était utilisé à la fin du 19e siècle, en 1898, par un certain Moncton, qui était magistrat résident en Nouvelle-Guinée, et qui raconte exactement le même tour. Et on en trouve des traces dans plusieurs textes de cette utilisation du dentier, pour dire vite, comme pseudo-tour de magie. « Dites-leur de regarder ma bouche, et j'ai souri, montrant une excellente série de fausses dents. Ils ont regardé. Bien, ils voient de fortes dents blanches, interpréta Basilio, donc c'est l'interprète du magistrat, étouffant un sourire alors qu'il devinait ce qui allait arriver. Et donc il tourne le dos, il laisse tomber ses fausses dents dans son mouchoir. » Et là, il montre sa bouche édentée. Un hurlement d'horreur et d'étonnement s'éleva et des regards effrayés furent jetés en arrière pour savoir où s'enfuir. J'ai balayé mon mouchoir devant ma bouche et j'ai de nouveau souri d'un sourire plein de dents étincelantes. Il n'y avait plus de regards mauvais ou provocateurs, seulement des regards apeurés ou horrifiés. Demande-leur, Basilio, si dans tout leur village, on trouve un sorcier capable de faire une telle chose. Non, fut la réponse. Donc, citation, pseudo-citation en tout cas, de l'interprète qui traduit la parole de ses compatriotes pour le magistrat. Le chef blanc est plus grand que tous. Pour finir, encore un exemple sur ce passage, sur ce point, un exemple en quelque sorte inversé. Cette fois, dans les années 30, c'est un ethnologue, Frédéric Carnochamp, qui se voit doté d'un pouvoir magique par la population locale. Alors qu'il est en mission au Tanganyika, l'actuelle Tanzanie, il se voit remettre une baguette de faiseur de pluie par un devin nommé Kalola. L'ethnologue se prête au jeu, hein, utilise cette baguette pour faire venir la pluie, et par coïncidence, dit-il, la pluie tombe. Il acquiert peu à peu une grande réputation dans la région de faiseur de pluie avant de rentrer aux États-Unis et de déposer sa baguette au musée d'histoire naturelle Peabody. Alors, ces différents récits, ils contribuent à la production d'un imaginaire colonial. Hein, c'est la fabrique du stéréotype du blanc rusé et du noir crédule que l'on retrouve aussi bien dans la culture populaire et les œuvres de fiction que dans les textes coloniaux. Je vous ai mis sur la droite quelques illustrations, mais il y a une masse de production dans la littérature populaire, la littérature à destination de la jeunesse au début du XXe siècle, etc. Ce pouvoir de mystifier autrui, il sert d'argument pour défendre une hiérarchie entre les colons et les populations colonisées. On a donc affaire à des textes qui utilisent des arguments rhétoriques et qui scénarisent les rencontres coloniales. Même dans les témoignages des colons, une part de fictionnalisation est bien sûr à l'œuvre. Et l'histoire qu'on vous raconte, Rémi et moi, elle est profondément asymétrique, hein, puisque nous n'avons que la version des colons, que l'interprétation des colons. Il y a fort à parier, hein, que dans de nombreux cas, les populations locales ont pu jouer le jeu et feindre la naïveté à des fins stratégiques. Mais cette option, elle n'est presque jamais envisagée par les colons, dont le regard stéréotypé contribue le plus souvent à entretenir le mythe de populations extra-occidentales qui seraient plus crédules que les populations européennes ou nord-américaines. Ce recours à la prestidigitation sert de trait d'union, en quelque sorte, entre les puissances coloniales occidentales et leurs colonies. Et on ne s'étonnera pas, hein, si dans les
Nombreuses exhibitions ethnographiques organisées en métropole, on trouve des spectacles de magie. Hein. Et donc, on connaît bien l'histoire des zoos humains, de la présentation des populations colonisées dans ces grandes expositions coloniales ou dans les sections coloniales des expositions universelles. Mais on a aussi des spectacles de prestidigitation. Par exemple, lors de l'exposition du Soudan en 1895, là, ce sont plus de 300 Africains et Africaines qui sont exposés sur le champ de Mars. Mais on a aussi le prestidigitateur Renali qui se rend sur place pour leur faire quelques tours de magie. Et il annonce dans la presse qu'il est, je le cite, « désireux de connaître l'impression que feraient sur les Noirs ces expériences de prestidigitation ». Avec la mise en place d'une administration coloniale dans les colonies, ce recours à la prestidigitation va aussi servir les différentes stratégies de surveillance et d'administration des populations. Je vais vous prendre encore quelques exemples. Le cas de Pontal, par exemple, un capitaine de l'infanterie coloniale qui utilise la prestidigitation pour menacer les habitants d'un village du Soudan français, du Mali actuel. Vous voyez le titre de l'article, et c'est paru dans une revue de prestidigitation, le prestidigitateur, le grand sorcier des Blancs. Pontal s'approche de son ennemi, il enfonce en ses yeux son regard aigu, puissant, son regard d'hypnotiseur, et lentement, en habile prestidigitateur, il extrait du pagne enveloppant le nègre 3 ou 4 pièces de 5 francs. Adroitement, l'officier les manipule, les fait disparaître, semble les multiplier. Puis c'est un petit foulard de couleur qu'il tire de l'extrémité de ses doigts. À son gré, le foulard change de teinte, se volatilise pour renaître et s'éclipser encore. Sur les visages des indigènes, Pontal lit l'ébahissement, la stupeur. De nouveau, il invite l'interprète à traduire ses paroles. On retrouve le même type de situation. Si le moindre tort nous est fait, si l'un d'entre nous est l'objet du plus minime sévice, j'anéantirai le village, ses habitants, son chef, comme je viens d'anéantir ce morceau d'étoffe. Si ces gens me tuaient, je deviendrais plus redoutable pour eux après ma mort que pendant ma vie. Mon trépas amènerait la disparition instantanée et totale du pays. On voit bien comment quelques petits tours de prestidigitation servent à proférer des grandes menaces à l'égard de la population. Autre exemple, cette fois au Congo, avec l'administrateur malais qui commande le fort Rousset, actuellement Owando, qui utilise, là encore, la prestidigitation. La fin de la citation est particulièrement intéressante. Bref, c'est un prestidigitateur de talent. Il utilise son art auprès des indigènes de la forêt pour augmenter son prestige, qui est grand. Il a tout un matériel, cercueil où s'introduit une jeune fille et que l'on scie en deux, anneaux brisés, etc. Il extrait du nez et des oreilles des noirs des foulards et des pièces de monnaie. Abattant gaffeau pour prouver aux indigènes que le coton, c'est de l'argent, il alluma un morceau de coton et en extirpa un billet de 10 francs. Une fois son exercice fini, il alla déjeuner. Tout à coup, un noir vint le chercher en grande hâte. « Commandant, venez vite, ils mettent tous le feu au coton, 30 tonnes brûlées. » Donc, bien sûr, il y a de l'exagération dans ce passage. « Ce malais est un vieux chasseur. Un plomb de chasse lui fit perdre un œil. Depuis ce jour, il porte un œil de verre. Un soir, il confie à son nouveau boy la garde de sa case, car il doit s'absenter quelque temps. Et surtout, ne vole rien, tu as compris. » Et il ajoute d'ailleurs, « Mon œil ne quittera pas la pièce, méfie-toi. » Là-dessus, il enlève son œil de verre, le pose sur un cendrier et s'en va. L'histoire ajoute que le boy ne vola point. Mais là, il me semble qu'au-delà de l'exagération, l'idée du panoptique, du blanc capable de tout voir, hein, un peu d'ailleurs, ça correspond bien aussi aux représentations du sorcier dans ces sociétés-là. Le sorcier, il a le don d'ubiquité, mais aussi de clairvoyance. Hein, il est capable de tout voir. Mais on voit bien comment l'œil de verre symbolise parfaitement, selon moi, les enjeux de ces recours à la magie. Il s'agit de produire l'image d'un colon omniscient et omnipotent. Et là encore, hein, la prestidigitation se place au service du pouvoir politique et de la domination coloniale. Pour nuancer ces propos, il faudrait aussi insister sur les quelques cas de colons qui dénoncent aussi ces réflexions. Je pense ici au médecin suisse Félix Vallotton, qui reconnaît que certains... La magie sur place peut parfois intriguer. Il paraît certain que les féticheurs possèdent des secrets étonnants et accomplissent même des prodiges demeurés inexplicables. C'est ainsi qu'il s'applique des fers rouges sur certaines personnes qui n'en subissent aucun mal, alors que les Blancs et les missionnaires qui en ont tâté ont été cruellement blessés. Mais plus intéressant encore,
Il écrit le compte-rendu de ses voyages dans une période particulière, en 1941. Hein, la Suisse est neutre, mais on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Et il s'interroge, aux yeux des Noirs, les Blancs furent au début des dieux, des sorciers au pouvoir infini. Que penseront-ils de nous après cette guerre ? Et donc, on voit comment il y a une prise de recul qui peut parfois s'effectuer. Alors, je voudrais quand même rapidement mentionner le cas des quelques missionnaires aussi qui utilisent la magie, puisqu'ils utilisent les mêmes stratégies que les colons, à des fins en partie différentes. Hein. Elle est moins utilisée pour mystifier les populations locales que pour démystifier les pratiques magico-rituelles locales, hein, tout en proclamant la supériorité du dieu des chrétiens sur les entités invisibles qui sont invoquées dans les différents rituels locaux. Le cas de Victor Ficheux, par exemple, est intéressant. Il était missionnaire dans la région de Djenné, au Soudan français, dans le Mali actuel. Et il évoque en fait un rite initiatique qu'on appelle le Nama, chez les Bamanans. À l'occasion d'une sortie du Nama, du masque et des objets utilisés dans le contexte de l'initiation, le missionnaire brûle un objet qui est composé de cheveux et de poils et qui est censé communiquer les intentions d'une entité invisible. On m'a dit depuis que dans leur répertoire se trouvent des tours dont il me serait beaucoup plus difficile de démasquer la supercherie. J'assisterai donc à d'autres séances et tâcherai de désabuser ces grands enfants. À mon tour, j'ai invité tous les hommes des villages voisins à une séance et ils ont avoué que nos tours de prestidigitation étaient supérieurs aux prodiges du Nama, qui pouvaient bien être aussi que des tours de passe-passe. Et puis, peut-être aussi le cas du père Lelon, qui part en mission au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est une mission d'études, mais il est missionnaire et il se déplace sur place avec un certain père Lassor, missionnaire sur place, il s'attribue lui-même des pouvoirs de résurrection presque. Hein. « Vous ne comprenez donc pas, leur dis-je, que celui-ci était un noir comme vous autres ?» En parlant du père Lassor, qui n'était pas noir mais blanc. « Un bleu violacé au mollet, suite d'une chute, est un témoignage de sa couleur primitive. Il est mort, il a été au Nyomata, le séjour des morts, et il est revenu en blanc, mais il parle toujours sa langue d'autrefois. Il m'écoute bouche bée, sans rire et sans manifester d'incrédulité. » Donc, ce qui sert d'argument à la résurrection, c'est un bleu sur la jambe qui est censé témoigner de la couleur originelle du père Lassor, et puis le fait que le père Lassor maîtrisait parfaitement la langue locale. Plus rapidement, encore, le cas des ethnologues, je trouve assez intéressant de l'illustrer par des extraits de l'Afrique fantôme qui rencontre une mission... fondatrice de l'ethnologie française, hein, la mission Dakar Djibouti entre 1931 et 1933, on voit comment à plusieurs reprises les ethnologues de la mission ont été associés à cet imaginaire de la prestidigitation. Le bruit a couru chez les foules bedgaroua que M. Mouchet, l'un des membres de la mission, venait d'arriver en avion de Djibouti. La popularité camerounienne de notre ami lui confère des pouvoirs de magicien à tapis volant. Un peu plus tard, c'est un autre membre de la mission, dont Léris, l'auteur de l'Afrique fantôme, explique qu'il allume un des feux de Bengale que nous avons apporté pour faire plaisir à une vieille femme. Enfin, on raconte à Gondar, en Éthiopie, que les Français sont venus faire de la magie et maléficier la terre. Revenons plus rapidement à ce qui se joue autour de l'Orient et de l'imaginaire de l'Orient évoqué tout à l'heure à propos des prestidigitateurs occidentaux. On voit bien comment, dans les colonies asiatiques, ce qui se joue diffère en partie de ce qui s'est mis en place en Afrique, dont j'ai beaucoup parlé. J'ai pris un exemple aussi océanien, mais pour l'essentiel, les exemples étaient africains. Mais pour ce qui concerne les sociétés asiatique, le regard porté par les Occidentaux s'inscrit davantage dans des logiques de valorisation du mystère oriental, dans une vision romantique, hein, largement fantasmée d'un Orient qui va d'ailleurs du Maghreb jusqu'à l'Inde et au Japon. C'est un imaginaire orientaliste qui a fortement marqué le XIXe siècle, hein, comme on l'a déjà vu, et qui mérite évidemment d'être déconstruit, mais cette valorisation de la magie orientale se joue également dans les expositions universelles ou coloniales.
Là encore, à l'exposition de 1900 à Paris, par exemple, on trouvait un théâtre dans la section de l'Inde française où, je cite le guide pratique du visiteur de l'exposition, des artistes hindous donnent des représentations de prestidigitation, de sorcellerie, d'incantation. Alors, une des grandes figures qui est très valorisée dans ces expositions universelles ou ces expositions internationales, ou dans les sections coloniales, là, c'est de l'Inde française, hein, ce sont les colonies françaises en Inde, une des grandes figures qui est valorisée, c'est la figure du charmeur de serpents. Hein. Il y a très souvent des charmeurs de serpents qui sont présents dans ces expositions, mais plus encore, c'est la figure du fakir qui est très présente, qui devient très populaire. Et le terme même de fakir témoigne bien de cet imaginaire fantasmé de l'orientalisme et de l'Orient, puisque le mot fakir, il est d'origine arabe, et il désignait à l'origine des ascètes soufis, hein, des adeptes du soufisme, mais il a peu à peu été utilisé pour désigner des formes très diverses de pratiques ascétiques et de techniques de prestidigitation, hein, notamment en Inde, en ne se limitant plus du tout donc, au contexte musulman, en tout cas pas aux populations musulmanes. À tel point que le fakir est devenu plutôt hindou, en quelque sorte, alors que le terme est arabe. La mode du fakirisme dans la prestidigitation occidentale explique qu'il y a très nombreux prestidigitateurs qui accomplissent un voyage en Orient, hein, le même voyage en Orient que les peintres et les écrivains à la fin tout au long du XIXe siècle accomplissaient. Jusqu'au début du XXe siècle, on a des prestidigitateurs comme ça qui partent en Inde. C'est le cas de Charles Bertram, par exemple, qui était proche de la famille royale d'Angleterre et qui part pour un long voyage d'études en Inde, en Chine, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Il justifie d'ailleurs son voyage par le fait que l'Asie du Sud-Est, je le cite, est imprégnée depuis des temps immémoriaux dans les traditions fascinantes de l'art noir. Si Bertram envisage son déplacement comme un voyage d'études, hein, il y a de nombreux collègues prestidigitateurs, plus ou moins connus, hein, qui partent pour leur tournée, en tournée au Maghreb, au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est. Et en 1920, c'est le grand Houdini qui fait une démonstration de fakirisme, cette fois-ci lors d'une tournée en Tunisie. Hein, et donc on voit comment ces tournées de prestidigitateurs connectent des imaginaires de l'Orient qui sont en réalité diversifiés. Bref, à la même époque, on assiste à une entreprise de démystification des fakirs. Non seulement ceux de l'Inde, on va les étudier sur place pour démystifier leur tour, mais plus encore les pseudo-fakirs qui fréquentent les scènes européennes, puisqu'après la mode des magiciens égyptiens, chinois, etc., il y a un grand succès du fakirisme au début du XXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est le cas, par exemple, de Paul Heuzé qui va publier un ouvrage pour démystifier le fakirisme. L'ouvrage est à un titre évocateur, hein, « Fakir, fumiste et compagnie ». Il écrivait dans cet ouvrage « Ce n'est pas des voyageurs qu'il aurait fallu envoyer aux Indes, mais des spécialistes de la prestidigitation. Sous-entendu, ils auraient été mieux à même de décrire les pratiques des fakirs que des voyageurs crédules. » Là, en l'occurrence, les voyageurs, ce sont des voyageurs occidentaux qui sont taxés de crédulité par Heuzé. L'année suivante, en 1927, c'est le professeur Dixon qui publie un ouvrage qui s'appelle « Médium, fakir et prestidigitateur » avec la même logique, hein, de déconstruire l'imaginaire de la magie liée au fakirisme. Le prestidigitateur s'attaquait dans son ouvrage, hein, comme le titre l'indique, « Médium, fakir et prestidigitateur », à la fois au fakirisme et au spiritisme, en divulguant aussi bien les secrets des fakirs que les secrets des médiums qui officiaient en Europe et en Amérique du Nord. Malgré ces différentes campagnes de démystification, l'Inde a continué, longtemps après son indépendance en 1947, d'être la principale destination des amateurs de prestidigitation, mais aussi de sciences occultes. Et on peut citer dans les années 50 le cas d'un journaliste états-unien qui s'appelait John Keel qui va lui décrire les mystères des fakirs. Il dit regretter d'ailleurs à propos des magiciens égyptiens qu'il qualifie de fakirs
Ils regrettent qu'ils aient, je le cite, « renoncé à nombre de merveilleux secrets de leurs ancêtres pour utiliser le matériel bon marché des boutiques de prestidigitateurs de Londres et de New York ». Ce qu'ils dénoncent par là, c'est une certaine globalisation de la prestidigitation. Pour la petite histoire, quelques années plus tard, la mode éditoriale change et John Keel va se passionner pour un autre sujet, les extraterrestres. On voit aussi les logiques éditoriales qui sont derrière ces pratiques. Mais je voudrais terminer sur le cas d'un ethnologue assez connu qui s'appelle Arnold van Gennep, qui était spécialiste du folklore européen, pour résumer, mais qui a quand même écrit en 1929 un article intitulé « Le tour hindou de la corde rigide », dans lequel, en tant qu'ethnologue, il essaye de comprendre ce fameux tour évoqué tout à l'heure par Rémi. Mais ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est que non seulement il essaye de proposer une explication rationnelle et de ce tour, mais surtout il pose la question de la manière de construire un regard objectif sur ce tour, et il compare la façon dont on peut enquêter sur des tours de prestidigitation en Inde avec ses propres enquêtes sur les rebouteux des campagnes françaises, pour dire vite. Quiconque a entrepris des enquêtes de folklore, d'ethnographie, et davantage encore, quiconque a tenté de noter les pratiques des rebouteurs, des sorcières, des magiciens, des orcas de tout ordre, s'est heurté aux mêmes difficultés que les Anglais qui se sont systématiquement efforcés de découvrir le mécanisme du truc de la corde. En tout pays, les membres de la Corporation sociale des sorciers, rebouteurs et jongleurs, se tiennent entre eux et se transmettent leurs secrets. Les difficultés qui se dressent sous les pas du folkloriste en France quand il veut récolter des recettes de bonnes femmes et des pratiques de sorcellerie sont multipliées dans l'Inde pour les officiers et les fonctionnaires, sinon pour des ethnographes de profession dont les intentions désintéressées ne cessent que peu à peu d'être suspectées. Et donc à travers une réflexion sur la prestidigitation, c'est aussi une réflexion sur la démarche d'enquête en ethnologie que proposait van Gennep. Merci beaucoup, Julien. Je vais reprendre la parole et après avoir évoqué ce mouvement plutôt de l'Orient vers l'Occident, la façon dont l'imaginaire oriental vient travailler la magie de spectacle en Occident, dans la continuité de ce que tu viens d'évoquer, je vais me placer pour le domaine de la magie de spectacle dans un mouvement de l'Occident vers l'Orient et évoquer deux cas de figure qui ont marqué l'histoire de la prestidigitation. Qui sont deux figures importantes, c'est celui d'abord de Jean-Eugène Robert Houdin, donc à ne pas confondre avec Houdini, dont on a parlé à deux reprises, et l'autre, c'est le cas de Marius Cazeneuve. Alors, Robert Houdin, c'est un nom, comme je le disais, très important dans l'histoire de la prestidigitation. Orson Welles, par exemple, qui lui-même était magicien, prestidigitateur, le considérait et le présentait toujours comme le roi des magiciens ou le prince des magiciens. C'est Houdin, c'est ce qu'on a coutume de dire la plupart du temps, qui fait sortir la magie du domaine des foires, des champs de foires, pour le faire entrer dans le domaine des théâtres, et qui installe cet imaginaire qui est encore celui que l'on a aujourd'hui du magicien qui opère en queue de pie, en noir et blanc, dans un décor élégant. C'est vraiment le travail de Houdin qui se présente comme un réformiste, il entend réformer la magie. Donc il évolue dans un décor Napoléon III, il fait rentrer la magie dans les théâtres, il supprime tout ce qui était chapeau pointu, tout ce qui était jeu de mots graveleux, etc. Et il considère que c'est un homme honorable, pour reprendre ses termes, que doit incarner le magicien. Robert Houdin, il écrit un livre important qui paraît en 1856, ce sont « Les confidences d'un prestidigitateur ». Et c'est un ouvrage qui fait parler de lui, notamment pour une raison, c'est son voyage en Algérie. En effet, Houdin raconte qu'il a été contacté par le colonel Neveu, qui était le chef du bureau arabe de l'Algérie, spécialisé donc dans le traitement des problèmes rencontrés avec les populations indigènes, et que ce colonel Neveu lui propose une drôle de mission. Il lui propose d'aller en Algérie, en Kabylie, pour contrebalancer en quelque sorte le pouvoir de ceux qui sont appelés par ces autorités des marabouts et qui représentent un contre-pouvoir qui pourrait mener à des séditions à venir.
Je cite Robert Houdin dans ses confidences. « Un jour, je reçus une lettre de M. le colonel Neveu, chef du bureau politique à Alger. Ce haut fonctionnaire me priait de me rendre dans notre colonie pour y donner des représentations devant les principaux chefs de tribus arabes. La mission pour laquelle on m'appelait en Algérie avait un caractère quasi politique. J'étais fier, moi, simple artiste, de pouvoir rendre service à mon pays. » C'est un personnage assez particulier, Houdin, qui a beaucoup de fausse modestie dans ses écrits, mais qui évoque cet épisode très curieux. Donc il va aller en Algérie, il va proposer deux représentations au théâtre d'Alger, devant ceux qu'il appelle, comme je le disais, ces marabouts, qui sont les chefs de tribus arabes. Et il va réaliser un voyage de 12 jours dans la montagne, qu'il raconte également, dans cette idée donc de se présenter comme étant détenteur d'authentiques pouvoirs magiques pour amener les populations indigènes à déposer les armes. À Alger, lors de ce spectacle que j'évoquais, il fait notamment trois tours qui marquent les esprits. Le premier met en œuvre son pouvoir d'ensorcellement. Il fait venir un chef de tribu sur scène, dans le théâtre, et le chef de tribu soulève très facilement un coffre qui est placé sur scène. Houdin prétend lui jeter un sort, et à partir de là, l'homme est incapable de soulever ce coffre. Pouvoir d'ensorcellement détenu donc par Jean-Eugène Robert Houdin. Il poursuit son spectacle en prouvant ensuite son pouvoir d'invulnérabilité. Il passe autour de son cou un talisman qu'il présente comme un talisman protecteur. Il demande à quelqu'un de venir sur scène, de charger son arme et de lui tirer en plein cœur. Et la balle qui vient d'être tirée se loge en plein cœur, non pas de Robert Houdin, mais de la pomme qu'il tenait sur un couteau. Donc, pouvoir d'invulnérabilité. Et troisième pouvoir important, le pouvoir de téléportation. Puisqu'il fait venir cette fois-ci un autre spectateur sur scène, il le recouvre d'un grand drap, et quand il enlève le drap, le spectateur n'est plus là, et on le retrouve à l'autre bout de la salle, qui revient ensuite parmi le public. Donc, il y a vraiment cette utilisation de la magie à des fins diplomatiques qui est racontée et revendiquée par Robert Houdin. Et ce qui est intéressant à observer, c'est qu'il y a une vraie rupture déontologique de la part de Houdin quand il se produit dans ce contexte. Dans un autre de ses livres qui s'appelle « Comment on devient sorcier », il a cette formule qui est intéressante, très intéressante, même un prestidigitateur, un magicien, est un acteur jouant un rôle de magicien. C'est-à-dire que le magicien de spectacle ne détient bien évidemment aucun pouvoir magique authentique, mais qu'il joue le rôle du magicien, qu'il travaille cet imaginaire de la magie et qu'il va prétendre détenir d'authentiques pouvoirs magiques. Mais c'est dans le cadre d'un pacte tacite qui est passé avec son public, qui est bien au courant qu'il ne s'agit pas de réels pouvoirs. Et Houdin, dans ses écrits, insiste sur cette importance du pacte tacite avec le public et du fait que le magicien ne doit pas mentir sur la marchandise, en quelque sorte, et ne doit pas prétendre détenir d'authentiques pouvoirs magiques. En revanche, lorsqu'il intervient en Kabylie et que la magie se trouve instrumentalisée, son discours est tout autre. J'avais bien un peu, je l'avoue, l'envie de rire et de moi et de mon assistance, car je me présentais la baguette à la main avec toute la gravité d'un véritable sorcier. Je n'y cédais pas. Il ne s'agissait plus ici de distraire et de recréer un public curieux et bienveillant. Il fallait frapper juste et fort sur des imaginations grossières et sur des esprits prévenus, car je jouais le rôle de marabout français. Je prends les mêmes précautions, évidemment, que Julien tout à l'heure sur les termes qui sont employés, qui sont ceux de Robert Houdin, qui ne sont pas du tout les miens. Comparé au simple tour de leur prétendu sorcier, mes expériences devaient être, pour les Arabes, de véritables miracles. D'après ce que vous venez de voir, dixit Houdin, vous devez m'attribuer un pouvoir surnaturel, vous avez raison. Donc il y a vraiment une rupture déontologique par rapport à cette posture du magicien, et la magie, dans ce contexte colonial, devient alors un outil d'humiliation et un outil de domination. Il y a une autre figure que je vais évoquer,
qui n'est plus celle de Robert Houdin, mais qui est celle de Marius Cazeneuve, qui est un magicien toulousain, qui est né en 1839, sur la rive droite de la Garonne, alors qu'il s'est produit devant les puissants de ce monde, devant Napoléon III, devant MacMahon, le roi des Belges, le roi d'Espagne, le roi du Portugal, l'impératrice de Russie. Et vers 1875, lorsqu'il fait une tournée à Tunis, on lui remet des insignes et il greffe alors devant son nom le titre de commandeur. Et il se fera appeler le commandeur. Et on reconnaît très facilement Cazeneuve, alors d'une part avec ses élégantes moustaches, mais surtout parce qu'il a cette fascination pour les médailles et pour les titres, et qu'il intervient avec la veste recouverte de médailles. Il mentionne Victor Hugo aussi régulièrement dans ce côté prestige sur ses affiches. Il citait un quatrain de Victor Hugo qui avait été écrit, semble-t-il, à son sujet. Il étonne les yeux, il confond la raison, il ouvre à la pensée un charmant horizon, il ferait en ses mains danser Paris et Rome, et ce tout petit homme est plus grand qu'un grand homme. Voilà. Et donc là, on a une représentation de Cazeneuve, toujours avec ses médailles dont je parlais à l'instant. Et c'était un magicien qui s'est fait connaître et reconnaître beaucoup également avec sa pratique de la magie des cartes. Les cartes, c'est bien sûr un élément, un outil de la magie qui est très associé à l'imaginaire. Et Houdin proposait des spectacles dans un style très érudit, très délicat. Et il proposait notamment un tour de cartes qui a fait date, qui était la carte à la commande. Peut-être qu'on va en profiter pour faire un petit tour de cartes, justement, avant d'en venir à la mission de Marius Cazeneuve, non pas en Kabylie, mais à Madagascar, en ce qui le concerne. Alors, je reviens à cette table revêtue de rouge et je vais à nouveau demander la participation du public. On va pouvoir transférer la caméra aussi du PowerPoint à la table. Est-ce que je vois très mal la salle pour tout vous dire? Est-ce qu'une main se lèverait ici ou là, à un endroit ou l'autre? Formidable, au deuxième rang. Merci beaucoup. Attention à l'escalier, prenez votre temps. Merci beaucoup. On a applaudi toutes les autres. Je trouve que vous méritez vos applaudissements. C'est que des femmes qui ont le courage de venir ce soir. Est-ce que je peux vous demander aussi votre prénom? Oui, bien sûr, je m'appelle Hiri. Hiri. Ouais, exactement. Enchantée. Alors, Hiri, on va essayer de faire un tour de cartes, comme je vous le disais. Et je voulais savoir si vous pensiez que l'imagination, le pouvoir de l'imagination peut avoir des impacts, des conséquences sur le monde réel. J'ai tendance à le croire, oui. À le croire, ouais. Que quelque chose qu'on pense pourrait devenir réalité. Ouais, pourquoi ouais pas. Je vais essayer de vous en convaincre. Regardez, par exemple, je pense à un jeu de cartes. Je claque des doigts. Qu'est-ce que je fais apparaître? Un jeu de cartes. Incroyable. Je ne vous le fais pas dire. On va s'en servir, mais on va essayer de pousser un peu plus loin l'imaginaire. On va imaginer que ce jeu de cartes que vous voyez, vous allez le prendre. Je vous le dépose, on le laisse en réalité sur la table et on va essayer de faire quelque chose avec ce jeu de cartes imaginaire. On va imaginer que vous battez les cartes les unes après les autres. Je vais vous tenir le micro, si vous voulez, pour ne pas vous encombrer. Et je vous propose de battre les cartes. Voilà, vous les battez, vous les mélangez. Alors comme c'est imaginaire, vous pouvez en profiter pour faire de grands gestes, exactement. Faites juste attention, vous en avez fait tomber une, voilà. On va la replacer. Quand ça sera bien mélangé, parfait. Ah oui, mais allez-y, allez-y, profitez-en. Est-ce que c'est mélangé? On coupe? On coupe? Super. Parfait. Alors, je vais vous demander de choisir une carte, s'il vous plaît, celle que vous voulez dans le paquet. Vous pouvez nous dire laquelle c'est. Ok, le cul de cœur. La dame de cœur. La dame de cœur. Ok, la dame de cœur. Alors, vous pouvez changer de carte hein, aussi à tout moment, si vous voulez une autre carte. On garde la dame de cœur? On garde la dame de cœur. D'accord, la dame de cœur. La dame de cœur, vous allez la remettre dans le paquet, mais vous allez la mettre à l'envers. Vous n'allez pas la mettre dans le même sens que les autres. C'est-à-dire que vous allez la mettre face vers le bas. D'accord? Et vous remélangez à nouveau. Super. C'est bien mélangé?
Ah oui, il me semblait bien. Je vous rends le paquet imaginaire pour remettre le jeu dans son paquet. Parfait. Et on va partir du principe que le jeu atterrit sur le tapis. Vous vous souvenez de la question que je vous avais posée sur l'imaginaire en ouverture de ce tour? Vous étiez plutôt d'accord quand même. Si l'imagination peut avoir un impact sur la vraie vie, quand j'ouvre ce paquet, on devrait avoir donc toutes les cartes qui sont dans le même sens, sauf une seule. Est-ce que vous pouvez me rappeler de quelle carte il s'agirait? La dame de cœur. La dame de cœur qui serait dans un sens différent des autres cartes. Alors, on va prendre tout de suite le paquet. Je me place pour qu'on puisse regarder à la caméra. Toutes les cartes semblent exactement être dans le même sens. Non, il y a la toute dernière carte du paquet qui est dans un sens différent. Est-ce que vous pouvez regarder ce que c'est? Est-ce que vous pouvez venir la prendre? Je ne bouge pas juste pour que les gens voient ce qui se passe à l'écran. Et retourner la carte. Oh. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà un exemple de carte à la commande. Alors, pour en revenir à Marius Cazeneuve, donc, qui était spécialiste de cartes et qui avait ce style érudit et volubile qui lui valut son succès, il se trouve qu'il a voyagé à Madagascar quand il était très jeune, quand il avait 21 ans. Il raconte d'ailleurs qu'il a été fait prisonnier quand il avait 21 ans et qu'il a réussi à se libérer en prétendant détenir d'authentiques pouvoirs magiques. Ça rejoint exactement ce que Julien évoquait précédemment. Toujours est-il que des années plus tard, en 1886, il contacte le vice-résident français à Madagascar pour lui faire part d'un projet bien particulier. Alors on est dans le contexte, il faut le rappeler, où l'île Rouge, Madagascar, est disputée par les deux puissances coloniales que sont la France d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre, qui tous les deux cherchent à établir leur autorité sur les populations. Et Marius Cazeneuve a entendu dire que la reine s'intéresse à la magie, la reine Ranavalona. Sachant que la reine aimait tout ce qui a rapport à la magie, j'avais pensé que, à l'aide de mon habileté de prestidigitateur, habileté au sujet de laquelle je n'ai pas à faire de modestie, puisqu'elle a été maintes fois constatée et qu'elle m'a valu l'honneur d'être appelée à faire des conférences en Sorbonne, j'avais pensé, disais-je, que je pourrais agir sur l'esprit de Sa Majesté et la disposer favorablement pour la France. Inutile de dire que je n'avais là d'autre but que le bien de mon pays. Et cette idée, qui peut sembler saugrenue, de Marius Cazeneuve va être acceptée par le vice-résident sur place, et Cazeneuve va se rendre à Madagascar dans l'idée d'approcher la reine et d'influer sur les décisions politiques en faisant pencher les décisions vers une influence de la France plutôt que celle de l'Angleterre. Alors, il voyage, il arrive à Tamatave, où il débarque et où il commence à faire quelques tours, les uns après les autres. Mais la reine est à Tananarive, donc il se rapproche, il franchit la forêt. Il y a tout un récit d'exploration qu'il propose dans son livre qui s'intitule « Magie et diplomatie à la cour de Madagascar ». Il arrive à Tananarive, aux portes du palais en quelque sorte, et à ce moment-là, il y a un immense incendie qui se déclenche. Je vais peut-être proposer un nouveau tour et dernier tour avant d'en venir à sa rencontre avec la reine, juste après l'incendie, mais c'est intimement lié à cet incendie. Donc je vous propose un tour qu'on va réaliser avec une boîte d'allumettes et un volontaire ou une volontaire. C'est la dernière occasion. Ah, je vois une main dans l'ombre, tout en haut. Voilà. Merci beaucoup. Enchanté. Donc Rémi. Clément. Clément. Clément, donc on est à Tananarive, et il y a cet incendie qui va se déclencher tout de suite. Il va se déclencher avec la boîte d'allumettes que vous voyez ici. On est toujours dans le domaine de l'imaginaire, on imagine que je prends une allumette, que j'allume l'allumette et que je la jette, et que ça déclenche un incendie. Clément, vous allez avoir des décisions importantes à prendre. Vous allez devoir intervenir, vous allez devoir sauver certaines personnes, en sacrifier d'autres,
On va, pour simplifier les choses, partir d'un jeu de cartes qui brûle. Oui, il y a une petite goutte de sueur, ça c'est l'incendie, c'est normal. Le jeu de cartes est en train de brûler. Les cartes brûlent les unes après les autres. Vous allez choisir qui est-ce qui brûle tout d'abord. D'abord, qu'est-ce qui va brûler ? Est-ce que ce sont les figures, c'est-à-dire les valets, les dames et les rois, ou est-ce que ce sont les chiffres ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 7 ? Alors, soit les figures, soit toutes les figures, soit tous les chiffres. Toutes les figures. Toutes les figures. Et du coup, les 7 ne vont pas brûler. Ouais, mais c'est d'accord. Donc, toutes les figures prennent feu. C'est-à-dire que les valets, les dames et les rois s'enflamment. Nouveau choix. Pas les as ? Alors, je les compte parmi les chiffres, les as, plutôt. Je fais vraiment les figures où on a une figure représentée sur la carte. OK ? Les valets, les dames et les rois. Qu'est-ce qui va brûler ? Est-ce que ce sont les hommes ou est-ce que ce sont les femmes ? Les hommes. Les hommes. On fait brûler les hommes. Très bon choix. On fait brûler les valets, on fait brûler les rois. Il ne reste donc plus que les quatre femmes, les quatre reines. La reine de cœur, la reine de carreau, la reine de trèfle et la reine de pique. Elles s'enflamment malheureusement les unes après les autres, mais vous pouvez intervenir, cette fois-ci, non pas pour prendre une décision cruelle et envoyer à l'incendie, mais pour sauver l'une d'elles. Vous allez pouvoir sauver une des quatre dames, celle que vous voulez, mais vous ne pouvez en sauver qu'une seule. Carreau. La dame de carreau. Vous pouvez changer d'avis, comme tout à l'heure, non. Ou rester sur la dame de carreau. OK. Vous vous souvenez qu'il y a la petite boîte d'allumettes qui est présente depuis tout à l'heure. Alors, je vais me permettre de l'ouvrir. Et ce que je ne vous avais pas dit, c'est que dans cette boîte d'allumettes, il y a une carte, ici. Et c'est une carte qui est un peu brûlée. Vous voyez, ses bords sont un peu marqués par le feu. Et ce qui est un peu particulier aussi, c'est qu'elle est protégée par un petit trombone, cette carte. Et elle était comme recroquevillée, en quelque sorte, sous une table, protégée par ce trombone. Et ce petit trombone qui a protégé la carte, il n'a pas protégé n'importe quelle carte, puisqu'il a protégé la dame de carreau. Voilà. Les points sont marqués. Merci beaucoup, Clément. Merci. J'en reviens à Marius Cazeneuve. Il y a donc cet incendie à Tananarive. Marius Cazeneuve, c'est son récit qui est le témoignage, Marius Cazeneuve raconte qu'il s'est montré héroïque, tant et si bien que la reine, depuis son palais, a remarqué son héroïsme et l'a invité à venir dans le palais le rencontrer pour rencontrer cet homme admirable. Il est donc invité au palais de la reine et il va réaliser un certain nombre de tours. Il va faire un tour notamment qui fait grand bruit. Il va transformer des grains de café en café moulu. Un tour que lui avait demandé de faire le Premier ministre. Je mis entre les mains, c'est un autre tour, les mains du Premier ministre, une ardoise que j'essuyais sous ses yeux et que lui-même essuya ensuite soigneusement avec son mouchoir. Je le priai de regarder si elle ne portait aucune inscription. Il déclara par la bouche d'un interprète qu'il n'y voyait rien d'écrit. Mais, y ayant jeté les yeux une seconde fois, il lut cette phrase tracée en caractère malgache « Ton pays sera sauvé si tu n'acceptes comme allié que les représentants de la France ». Ces paroles mystérieuses parurent le rendre rêveur. Dans l'esprit de tous ceux qui venaient d'assister à mes expériences, je passais pour un être extraordinaire en savoir, en habileté et en pouvoir magique. Puisque j'ai affaire à des fusils et des cartouches de provenance anglaise, je n'ai rien à redouter. Il réalise donc plusieurs tours. La reine est impressionnée. Il paraît qu'elle en a même cassé son éventail, tant elle était sidérée par les pouvoirs de Cazeneuve. Et dans la plupart de ses tours, au-delà de ses pouvoirs particuliers qu'il présente, il ridiculise les Anglais, qui sont les ennemis sur place. Il réalise ce tour qu'on appelle celui de l'homme invulnérable, celui que je décrivais tout à l'heure avec Robert Houdin, qui est un tour mythique où on demande à quelqu'un de tirer sur vous et on récupère la balle, soit logée entre les dents, soit logée sur une pomme. Petite parenthèse d'ailleurs au sujet de Chung Ling Soo, dont je parlais tout à l'heure, ce magicien qui était en réalité écossais. Il réalisait ce tour qui porte mal son nom, puisque Chung Ling Soo est mort sur scène en réalisant ce tour de l'homme invulnérable, au moment où la balle s'est logée en réalité dans son cœur, et c'est la fin de l'histoire de Chung Ling Soo. Horrible. En tous les cas, Marius Cazeneuve réalise avec succès ce tour de l'homme invulnérable et ridiculise les Anglais, demande à ce que ça soit des balles anglaises, puisque les balles anglaises sont molles et de toute façon ne parviendraient jamais à abattre un homme. Il fait un tour aussi avec un cornet à piston qui joue de la musique sur mesure.
Il demande la Marseillaise, le cornet à piston joue la Marseillaise, il fait venir un dignitaire anglais sur scène qui lui demande de jouer God Save the Queen, sauf que le cornet à piston se met à jouer J'ai du bon tabac dans ma tabatière, donc tout le monde rigole. Il redemande God Save the Queen, cette fois-ci c'est Malbrook s'en va en guerre, et le dignitaire prend le cornet pour jouer God Save the Queen, et là il y a de la farine qui sort partout du cornet à piston, et l'anglais se trouve recouvert de farine. Dixit, une nouvelle fois, Marius Cazeneuve. En tous les cas, il explique dans ce livre, qui est intitulé « Magie et diplomatie à la cour de Madagascar », qu'il a réussi à réaliser son projet et que c'est grâce à son intervention que la reine, finalement, a influé sur la décision de se ranger plutôt du côté de la France et non pas du côté de l'Angleterre. Mon ascendant sur la reine croissait tous les jours. Peu à peu, j'avais amené la conversation sur la politique. Je fis observer à Sa Majesté et au Premier ministre, en m'y prenant toutefois avec ménagement, que les conseils donnés jusqu'ici par les méthodistes anglais n'avaient abouti qu'à des déceptions, que, sous l'apparence de l'amitié et d'un grand dévouement à leur personne, ils ne poursuivaient que leurs seuls intérêts et travaillaient réellement à la perte du trône et de la dynastie. Si tu es sage, tu abandonneras le gouvernement de ton île à la France et tu recevras chaque année 1 million. Par quoi ? Par un prestidigitateur français et par ses expériences. Les bons anglais s'enterrant de Robert Houdin, c'est que la magie n'est pas utilisée directement pour manipuler les populations, mais plutôt pour accéder au lieu du pouvoir, pour rentrer au lieu du pouvoir et ensuite pour influer sur les décisions. Je cite à nouveau Cazeneuve. On comprend l'émerveillement que ces exercices de prestidigitation durent causer à des personnes qui, comme celles qui composaient mon auditoire, n'avaient jamais rien vu qui en approcha. La reine me demanda comment on pouvait arriver à les exécuter avec tant de sûreté. Je répondis que pour parvenir à quelque habileté dans notre art, qui comprenait des branches très diverses, il fallait posséder d'abord des aptitudes naturelles, beaucoup d'agilité de doigts, une grande vivacité de regard et de plus connaître à fond certaines sciences, parmi lesquelles je citais les mathématiques, la chimie, la mécanique, l'astronomie, la physique et la médecine. Si j'étais bien aise vis-à-vis du vulgaire de conserver une certaine apparence de surnaturel, je tenais surtout vis-à-vis de la reine et de son mari à me montrer homme de savoir afin de leur inspirer plus de confiance. J'entrais au palais comme médecin, j'y parlais comme diplomate, j'y devenais astronome et j'en sortais professeur de prestidigitation. Car je donnais en effet à la reine quelques leçons très élémentaires de mon art. Ainsi, je lui expliquais comment on faisait passer une carte d'un lieu dans un autre, ou comment on faisait disparaître et apparaître les muscades, qui sont ces petites balles en liège qu'on utilise notamment pour le tour des gobelets. Elle voulut elle-même s'y essayer, elle réussit tant bien que mal, et ça l'amusait beaucoup. Le Premier ministre s'y essayait également, mais avec moins de succès encore. Voilà cette différence entre Robert Houdin et Marius Cazeneuve sur l'aspect déontologique. Mais on peut constater dans les deux cas que la magie, à cette époque coloniale, sort des théâtres pour devenir un outil parmi d'autres dans la boîte à outils diplomatiques. Que ce soit un outil pour asseoir le pouvoir, comme je le disais pour Robert Houdin, ou un outil pour accéder au lieu de pouvoir, dans le cas de Marius Cazeneuve. Mais dans les deux cas, ce sont malgré tout des outils, des récits, des textes qu'il faut prendre avec méfiance. On a vu en tout début de conférence toute l'importance qui est accordée aux magiciens pour créer leur personnage de magicien dans l'imaginaire. On le voyait avec Chung Ling Soo notamment. Et on peut supposer aussi que ces récits soient marqués par cette même envie d'asseoir leur personnage de magicien. Pour ce qui est de Cazeneuve, quoi qu'il en dise, son influence est fortement à nuancer, puisque ce n'est en réalité que 11 ans après son passage à Madagascar, donc qui était un protectorat français au moment de son passage, que Madagascar devient une colonie française et que Gallieni abolit la royauté sur l'île en 1896 et en 1897 que la colonie, à proprement parler, est créée. Donc une influence à nuancer, puisqu'elle aurait lieu avec 11 ans de retard, en quelque sorte, par rapport à son passage. Quant à Robert Houdin, à ma connaissance,
sa mission en Algérie n'a jamais été étudiée en tant que telle, ni même citée par les historiens, ni les spécialistes de la colonisation, ce qui laisse à penser que son influence ne fut peut-être pas aussi grande qu'il le prétendit, en tous les cas. La colonisation, en tous les cas, pardon, pour la répétition dans tous les cas, offre pour la magie et pour les magiciens une belle occasion de se faire connaître et de se faire reconnaître à une époque où elle est regardée par la plupart du public d'un œil méprisant ou d'un œil distrait. Et c'est précisément cet épisode de son voyage algérien qui ne constitue qu'un chapitre parmi une vingtaine de chapitres chez Jean-Eugène Robert-Houdin qui fit le succès du livre. Quant à la puissance coloniale, en dernière analyse, elle offre au pouvoir l'occasion d'agir en magicien en recourant à ce que les prestidigitateurs nomment la misdirection, c'est-à-dire ce détournement du regard. Puisque, en évoquant dans la presse le succès, par exemple, de la mission d'Houdin en Kabylie, qui fait amener le peuple à déposer les armes d'une manière pacifique, en quelque sorte, la puissance coloniale détourne le regard du lecteur et du grand public des tueries qui sont opérées dans le cadre de la conquête de cette même Kabylie. Voilà pour le mot conclusif qu'on souhaitait vous apporter. Merci à vous deux tout d'abord. Alors malheureusement, nous n'aurons pas le temps pour des questions et je n'ai pas les pouvoirs magiques nous permettant d'en récupérer plus de temps. Mais par contre, je vous invite à retrouver nos deux conférenciers un peu plus haut d'ici 5 minutes, le temps d'une dédicace juste à la sortie devant l'auditorium. Vous trouverez plusieurs de leurs ouvrages. Et quant à la programmation du musée, je vous invite à aller sur notre site internet pour découvrir le détail de ce qu'on a pu développer autour de cette exposition magique, mais d'autres expositions également. Et prochain rendez-vous qui aura lieu au Cinéma Comédia avec la projection du film Jackie Caillou qui traite la question des magnétiseurs, des médiums et autres personnes de médecine alternative, mais sous l'angle de la fiction. Donc je vous invite le 1er octobre au Cinéma Comédia et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup.